Avec une rencontre qui nous promet un match de haute qualité, les Pays-Bas face au Real Madrid. Vous entendez les chants de supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. De Bruyne. Ça sort, la touche est pour le Real Madrid. Et le changement va donc avoir lieu. Pour Pelé. Oh, incroyable! Quelle frappe! Quelle trajectoire hallucinante! C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Allez, c'est reparti, on va voir comment les Pays-Bas réagissent après ce but concédé. Ça joue avec De Bruyne. Pour l'égalisation peut-être. Et oui, but ! L'égalisation ! Voilà un match enflammé ! Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Ah, le score de parité est donc un partout. Zinchenko pour Ronaldinho. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Il est en bonne position. Attention pour mener au score peut-être. Et la parade du gardien. Mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Haaland, De Bruyne. Oh, attention, Léo Messi. Goal de la Pulga. Merveilleux, messianique, magique, magnifique. Voilà, quand il faut mettre le cœur, le cerveau et le courage. Voilà le mystère de la nature. C'est lui qui a les clés de toutes les défenses. Mais où il est, le musée, pour exposer cette œuvre d'art? Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1. Bonne intervention, la passe est interceptée. À la super intervention de Van Dijk.
Erling Haaland. Messi la frappe et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part, il était bien vigilant sur cette action. Et ça rentre, l'intervalle se creuse avec ce nouveau but, ça fait deux longueurs d'avance. Au départ, on s'attend à autre chose et puis finalement, le ballon n'a pas le temps de redescendre. Il est joué de la tête, c'est vraiment très bien joué. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Oui, le bon geste défensif. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Tacle en pleine surface. Oh, la faute en pleine surface de réparation. C'est donc un pénalty. Attention, ça peut payer là-dessus. Pénalty transformé, c'est très bien frappé. Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il y avait la précision aussi, c'est un but absolument imparable. Ah, le score est donc de 3-2 avec ce but marqué. Ah, ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Voilà, le remplacement intervient. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, un but d'écart, le Real Madrid peut encore revenir dans ce match. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin, ce ballon est perdu. Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne. Jonathan Klose. Avec Kevin De Bruyne. Ouais, c'est bien animé, tout le monde participe à la construction. Et oui, c'est le but. Le voilà, le but qui fait la différence. Le break est fait. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. 4-2 au tableau d'affichage. Pelé. À grosse pression, ballon perdu. Le ballon en douche. Dépossédé du ballon. Pelé. Et peut-être le but pour revenir. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match. On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout le réussit depuis le début du match. Incroyable. On en est maintenant à 4-3. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Xavi Alonso, De Bruyne, Léo Messi. Et la grosse intervention là. C'est peut-être là une des dernières attaques pour le Real. Superbe intervention, sans faute. Attention pour égaliser. Un bon réflexe. Et plus que quelques minutes pour revenir au score, peut-être sur ce corner. Allez, changement donc. Quelle tête, on a presque vu de temps. Et finalement, ça va. Au final, ça passe très près. Et on repasse par le gardien. Klose. Et 2 minutes minimum de temps additionnel. Kevin De Bruyne. Lucas Moura. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Allez, devant le but, il faut frapper. Quel arrêt! Oui, plus beaucoup de temps, mais encore le droit d'espérer une victoire. Un corner mal tiré.